Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous fais une vidéo revue. Oui, revue. Sur le SteamPod 2.0. Je pense que vous connaissez ce que c'est, mais si jamais vous ne savez pas ce que c'est un lisseur vapeur. Donc je vous fais cette vidéo parce que vous savez que je l'ai reçu pour mon anniversaire. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo mes cadeaux d'anniversaire, allez la voir, je vous la mets en barre d'infos. Et ça fait plus de maintenant presque un mois que je l'utilise presque tous les deux jours. Et je voulais quand même vous en parler parce que c'est un lisseur que je voulais vraiment, je l'ai reçu mais il est juste genre nickel, il est parfait. Donc pour le SteamPod, moi j'ai reçu le SteamPod 2.0, donc c'est le bleu. Donc dans la boîte elle se présente comme ceci, donc avec tout expliqué dessus, enfin voilà. Et dedans ça contenait la notice, avec le lisseur, le réservoir et encore d'autres trucs. Avec ce lisseur, il était vendu tout seul, c'est-à-dire pas avec de produits supplémentaires ou autres. Elle m'a acheté avec le sérum pour les pointes, donc sérum concentré, pointe parfaite, tout type de cheveux, donc voilà. Pour vraiment protéger les pointes, il se présente comme ceci, donc il est tout blanc. Là ici, il y a la lumière pour dire quand il s'allume et là il y a le peigne. Donc en fait, il y a un peigne directement intégré dedans, que ma maman m'a acheté aussi en rave au cas où si celui-là il se casse, au moins j'en ai un tout de suite supplémentaire. Donc ça c'était pas compris dans le prix du lisseur, c'était à acheter à part. Donc il y a le peigne, ici il y a tous les trous où sortent la vapeur. Et après il y a les plaques pour se lisser les cheveux. Donc ici aussi il y a les boutons pour allumer le lisseur. Donc avant je sais que sur l'ancien ils étaient sur le côté. Maintenant ils sont à l'intérieur. Et voilà, donc avec il y a le petit réservoir qui se présente comme ceci. Donc à la base il faut y mettre de l'eau déminéralisée. Moi personnellement je mets de l'eau parce que je n'ai pas encore pu acheter de l'eau déminéralisée. Je mets de l'eau de Brita, voilà, qui fait à peu près l'affaire. Et il n'y a pas de calcaire pour l'instant, donc c'est plutôt parfait. Donc c'est un réservoir comme ça. Pour le remplir il faut le dévisser, bon là il y a de l'eau dedans donc je vais éviter, et après vous y versez l'eau et vous le revissez sur le SteamPod. Voilà, il a des ventouses pour pouvoir l'attacher. Et donc si jamais vous avez besoin de plus de conseils, allez voir sur le site directement de L'Oréal, SteamPod et tout, vous aurez vraiment toutes les données à faire. Donc pour commencer il faut savoir que vos cheveux il faut qu'ils soient entièrement démêlés, parce que sinon c'est pas un peigne démêlant celui du SteamPod. Et il faut vraiment que vos cheveux soient hyper secs, aucune mèche mouillée, sinon ça va juste bousiller le lisseur. J'avais oublié de vous parler, moi je l'ai acheté sur Amazon. Je l'ai payé, il me semble, parce que j'avais vu le prix, bien sûr, même sa code d'anniversaire. Je l'ai payé, je crois, 179. C'était en premium, du coup, je crois qu'il n'y avait pas de frais de port. Et avec le sérum, je sais pas combien il a coûté de plus, et le peigne, je crois que le peigne il a coûté dans les 2 euros, un truc comme ça. Et le sérum, je sais plus, mais il n'a pas coûté cher. Mais si vous voulez le pack compris, je crois qu'il faut prendre le SteamPod de la version en dessous. Et là, vous avez le produit et la crème. Clic Marie-Antoinette. Donc ensuite je viens appliquer le sérum, donc j'en mets pas beaucoup parce que sinon vos cheveux vont être tout huileux. C'est un sérum liquide transparent, vous le frottez entre les mains et vous l'appliquez sur vos pointes. Ensuite je viens allumer le SteamPod, donc je l'allume et je le mets sur 180 degrés, donc je sais pas si vous verrez. Quand il est allumé, la lumière s'allume. Et surtout quand vous lissez vos cheveux, il faut toujours respecter le sens des flèches qui sont indiquées, donc là on les voit pas, c'est blanc. Mais il faut toujours respecter le sens des flèches parce que sinon en fait la vapeur va être en contact avec vos cheveux. Et c'est pas du tout le but parce que il faut d'abord que les plaques chauffent un peu, parce que la vapeur est beaucoup plus chaude que les plaques. Donc il prend pas beaucoup de temps à chauffer ce lisseur, en général il prend allez, 30 secondes même pas, et franchement il est très rapide. Et quand il est chaud on entend la vapeur sortir, et après le 180 il faut qu'il arrête de clignoter.
Donc vous pouvez voir, j'ai fini le premier côté et c'est juste impressionnant. Même la brillance qu'ils ont, je vais mettre la lumière. La brillance qu'ils ont, c'est juste... voilà. Et non, je ne suis pas blonde. C'est la couleur de mes cheveux qui change. Qui change tout seul. Et je voulais vous faire vite une annonce aussi. Je pense que vous savez que les make-up artistes 2016 ont commencé déjà depuis un bon moment. Et il y a un concours Yves Rocher et je connais quelqu'un qui participe à ce concours. Et donc votez pour Marine de Saint-André les Vergers. Et vous pouvez tenter de remporter une box de 500 euros de chez Yves Rocher. Donc ça vaut le coup, c'est gratuit et c'est ouvert jusqu'au jeudi 3 novembre, n'oubliez pas. Je vous mets le lien en barre d'infos bien évidemment. Et allez voter, ça me ferait très plaisir. Et en plus, si vous pouvez gagner quelque chose à la clé, que demander de mieux. Donc maintenant je vais m'attaquer au deuxième côté de mes cheveux. Et comme vous pouvez le voir, ils sont hyper brillants. Ils sont doux, des racines aux pointes. Voilà, autant vous dire. Rien à dire sur ce lisseur. Moi, franchement, je l'adore depuis que je l'ai. Je l'utilise plus que ça. Je ne jure plus par ça. Et vous pouvez même faire des boucles avec le Steampod. C'est vraiment. Vous pouvez en fait. Si vous avez peur de la chaleur et tout, demandez à vos parents de vous lisser les cheveux à la limite, ou vos frères et sœurs qui sont plus grands, ou voilà. Mais ne vous amusez pas avec un lisseur, c'est pas un jouet, hein, c'est vraiment. C'est chaud, c'est. Enfin, voilà, faut vraiment faire attention. Avant, j'avais les cheveux hyper gras avec un lisseur classique, mais quand je vous dis hyper gras, c'est hyper gras. Depuis, vraiment, c'est pas pour faire de. Voilà, mais depuis que j'utilise le Steampod, mes cheveux sont vraiment beaucoup moins gras. Vraiment pas déçu après avoir payé ça, parce que franchement, c'est juste un truc de ouf. Donc voilà pour cette vidéo, ben, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'étais très contente de vous la filmer. J'espère que ça vous aura donné un avis sur le Steampod. Et si vous ne connaissez pas, ben. Voilà, voilà quoi. Si vous voulez une routine capillaire, dites-le moi en commentaire, je serais très plaisir de le savoir. Je serais très plaisir de le savoir, je serais très contente de le savoir. Écoutez, vraiment, likez, commentez, abonnez-vous surtout. Et je vous remercie pour tous les abonnements que vous apportez chaque jour, ça me fait extrêmement plaisir. Ça avance tellement vite, je m'en rends pas compte des fois, mais c'est impressionnant. Non, bah écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. D'ici là, bah écoutez, moi je vous fais du gros bisous et prenez soin de vous. À la prochaine.